messieurs, chers conseillers membres du public, bonsoir. On va donc démarrer ce conseil municipal avec un petit peu de retard. Donc, il faut vraiment bien vouloir nous excuser, même si souci d'imprimante. Mais bon, c'est réglé. Le quorum est atteint, la séance est donc ouverte. C'est le moment de recenser les pouvoirs. Si vous voulez bien me les faire suivre, si vous en avez. Me concernant, j'en ai quatre. Cédric Drevet donne pouvoir à Christophe Gordin. Marie-Danielle Pillard est en train de se faire bronzer près de Biarritz. Elle donne pouvoir à Olivier Perrault. C'est pas bien balancé, exactement. Jean-Michel Caron donne pouvoir à moi-même. Et Philippe Bigot, jusqu'à ce qu'il arrive, parce qu'il arrive un peu tard, donne pouvoir à Christophe Vambel. Ensuite, il prendra son pouvoir. Un autre ? Non ? Tout va bien. Alors, je vous propose de désigner Mme Blandine Brocard, qui est la plus jeune de nos conseillères, qui présente autour de la table en l'absence de Cédric Drevet en qualité de secrétaire de séance. Blandine, tu es d'accord ? Merci. Petit mot sur Cécile Guillouette, notre directrice des services, qui nous a quittés. Cécile est partie rejoindre, figurez-vous, sa Bretagne natale. Elle travaillait avec nous depuis 2009 dans notre commune, et ses qualités comme ses compétences étaient, je crois, très appréciées des élus comme des personnels, et ce, sur notre mandat, mais également sur le mandat précédent, me semble-t-il. Elle nous quitte, mais c'est pour d'excellentes raisons, celle de voir grandir sa fille aux côtés de sa famille, ses parents et sa grand-mère. C'est donc une nouvelle vie qui s'ouvre pour Cécile. On la remercie évidemment pour son action parmi nous. Et puis avec nos prédécesseurs, sur ces 9 dernières années, nous lui souhaitons évidemment une très belle nouvelle vie professionnelle et personnelle. Cécile, au départ, comptait être présente ce soir, mais les dates de déménageurs, etc., ont fait qu'elle est partie vendredi dernier, finalement. Donc, un tout petit peu tôt, je crois qu'elle embrasse tout le monde. Voilà, merci en tout cas à elle pour son action. On va donc procéder à présent à l'approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars dernier. Concernant ce procès-verbal, vous avez reçu en annexe de votre convocation. Est-ce qu'il y a des remarques à vous ? Oui, sur la première page, il est marqué « Le conseil municipal approuve à l'unanimité des votants le conseil municipal du 5 février. » Or, je me suis abstenu. Vous vous abstinte. Oui, je me suis abstenu, je n'étais pas présent le 5 février au conseil municipal. Donc je ne pouvais pas... En fait, vous n'étiez pas conseiller municipal. Oui, je n'étais pas conseiller municipal. Le 5 février, je n'étais pas conseiller municipal. Je suis venu le... Donc en fait, c'est ne prend pas, c'est, dans ce cas-là, c'est ne prend pas part au vote. C'est pas une abstention. D'accord, mais on précise. Voilà. Ou pas ? Oui ? Non, c'est l'unanimité des votants, en fait. Donc, comme M. Moron ne fait pas partie des votants, la phrase reste bonne. Oui. Donc la phrase reste bonne, M. Moron. Oh, c'est pas un gros puisque vous n'étiez pas considéré comme votant. Voilà. De fait. Ok ? Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Oui, parce que, en fait, dans les absents excusés, il y a M. Olivier Perrault. Non, qui donne pouvoir pouvoir à M. Olivier Perrault. Madame Laurent Patentier donne pouvoir à M. Olivier Perrault. Vous étiez donc bien présent. Et on m'a marqué Oliver. Nous corrigerons ton prénom, Olivier, qui était fort bien orthographié dans les moments en présence. Est-ce qu'il y a d'autres remarques de bon sens ? Oui, une remarque par rapport à l'affichage du conseil municipal qui se trouve de l'autre côté. Est-ce que c'est dans la rue Combe ? Oui. Est-ce que c'est le même document que celui qu'on lit ? Alors je précise ma remarque, allez-y. Puisque le détail des délibérations, on voit les noms des personnes qui ont voté pour ou contre ou abstention. Je ne sais pas, je parie que vous ne savez pas non plus ici. Non, les gros. C'est le compte rendu qu'on affiche. Là, vous avez été dit, donc oui, normalement, il y a des noms, c'est celui qu'on est en train de voter. C'est celui qu'on est en train de voter, donc a priori, c'est le même. Non, c'est pas le même. Il n'y a pas les noms. Il n'y a pas les noms des abstentions et des. Il n'y a pas les... ceux qui sont contre, dans sur le rue de la Combe affiché. Dans ce qui est affiché, oui, on indique deux abstentions ou... Oui, il y a marqué deux abstentions, mais il n'y a pas marqué le nom des abstentions, des abstentionnistes.
C'est pas nominatif. C'est pas nominatif. Non. Parce que celui-là, il est nominatif, celui qu'on a. Oui, celui-ci, on précise quels sont les noms. Il est précisé. Oui. Maintenant, j'ignore quelle est la règle pour être très clair si il y a obligation de déposer les noms ou de ne pas les mettre. Qu'est-ce qui vous gêne finalement? C'est le fait qu'il n'y soit pas. Que ce soit pas la. C'est pas vraiment le même. Oui, on préfère envoyer qu'il soit touché. De toute façon, comme les séances sont publiques et que tout le monde le voit, je vois pas bien pourquoi les noms ne seraient pas affichés sur celui qui est à l'extérieur. Mais il faut peut-être simplement vérifier qu'il n'y a pas une règle en la matière. On vérifiera ça. Après, dans le bulletin municipal, il y a bien les noms. Hein. Oui, tout à fait. Dans le compte rendu du bulletin municipal, il y a bien les noms. Oui, mais le bulletin municipal, pour le coup, il n'y a pas de nécessité juridique, je pense, au regard de la loi, de mettre ou de ne pas mettre les noms. De toute façon, c'est une séance publique. Je pense que vous l'aimez. Oui, non, je pense que vous l'aimez. Surtout dû au fait que d'un côté, il y a le PV. Et de l'autre côté, il y a le compte rendu. En fait, il y a deux éléments qui sont publiés. Et le PV est fait après, je pense, c'est ça. Oui. Et donc, on affiche le compte rendu, alors que le PV n'est pas encore rédigé. Ben, je pense que c'est. En fait, le compte rendu, c'est une version abrégée du. Une version synthétique qui donne exclusivement les votes pour chaque délibération, sans donner les débats, c'est ça? Oui. Un truc dans vous là? Oui, c'est ça. Bon, ce qui n'empêcherait pas de toute façon que même dans une version synthétique, on puisse mettre les noms. Donc on vérifie ça et on mettra le cas déjà. Ok, d'autres questions? Pas d'autres questions. Alors, si vous voulez bien, on va procéder au vote. L'approbation pour le procès-verbal de la séance du 19 mars dernier. Qui est favorable à ce procès-verbal? Unanimité. Ou je ne m'abuse. Non, c'est bon. Unanimité avec pouvoir. Parfait. On fait donc circuler le procès-verbal pour signature. Tiens. Dans cette gymnastique-là. On passe dès à présent au premier point qui est à l'ordre du jour, qui concerne des subventions. Il y en a plusieurs pour ce conseil, ils sont au nombre de quatre. On démarre par la première, qui est la subvention que nous versons annuellement au Centre communal d'action sociale. Il va donc être proposé au vote du conseil municipal d'allouer une subvention de 23 000 euros au Centre communal d'action sociale pour cette année. L'année dernière, cette subvention avait été de 30 000 euros. Donc on passe de 30 000 à 23 000. C'est plutôt moins. Pour ceux qui étaient présents lors du vote du budget, je m'en étais déjà expliqué, mais je vais vous redonner l'explication aujourd'hui. Par le passé, donc le centre communal, nous avions décidé que le centre communal d'action sociale allait allouer à l'école de musique une subvention qui permettait à ceux qui posaient d'un quotient familial, c'est une subvention pour le FEF, je crois, qui permettait à Musique et Culture de faire des tarifs en fonction du quotient familial des familles qui s'adressaient à eux. Naturellement, le Centre communal d'action sociale versait donc à Musique et Culture le complément qui leur était nécessaire, c'est-à-dire le différentiel entre le tarif taux plein, j'allais dire, et le tarif OQF de ces familles. Ce différentiel pour l'année dernière était de 4 680 euros. Il s'avère que Musique et Culture ne touche pas des subventions que du CCAS. Il touche des subventions de la commune pour d'autres raisons et il touche également des subventions de la métropole. Or, le montant qui est versé par la métropole à Musique et Culture dépend de celui que verse la commune à Musique et Culture. Et comme le montant des subventions qui est versé à Musique et Culture, nous l'avons scindé en deux pour dissocier ce qui était de notre point de vue du social et pour dissocier de l'autre côté la partie plus communale. Et bien, finalement, la métropole considère que nous versons une certaine somme à Musique et Culture qui est en fait inférieure à ce qui est véritablement versé par la commune et par le CCS. Par conséquent, afin que la métropole verse ce qu'elle doit nous verser au regard des efforts de notre commune, nous avons décidé que le CCS, finalement, ce n'est pas lui qui verserait cette année la subvention à l'agriculture, mais c'est que la commune allait le faire à sa place. Donc, la subvention que nous versons au CCS nous-mêmes va être réduite, et la subvention que la commune versera à l'agriculture sera augmentée de la même somme. Voilà pour l'explication. Deuxième explication, puisque entre 30 000 et 23 000, vous avez 7 000 euros de différence, et non pas 4 680. Le reste, eh bien, c'est simplement parce que le Centre communal d'action sociale fait un certain nombre d'actions et parmi elles, nous avions l'année dernière et même l'année d'avant organisé énormément d'ateliers informatiques qui coûtaient relativement cher
et ces ateliers informatiques, et c'est des ateliers qui ont été fort utiles, mais qui aujourd'hui ont vécu un peu leur vie et ont moins d'adhérents, moins de gens intéressés. Aujourd'hui, l'aide informatique qui est attendue des Saint-Germinois est un petit peu différente. C'est plus une aide individuelle. Des personnes âgées, par exemple, qui reçoivent une tablette à Noël et qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à la faire démarrer. Bref, un accompagnement qui est davantage comment ça, ceci marche-t-il, j'ai un bug à tel endroit, ça ne s'allume plus, ou ce genre de choses. Donc, on va répondre à ça, mais pas par le biais des ateliers informatiques du CCS. Par conséquent, l'argent qui était dédié à ces ateliers informatiques, naturellement, ne le sera plus par le CCS, et donc ils ont, le CCS a moins besoin d'un budget, puisque pour le coup, sur ces actions-là, eh bien, il n'y en aura plus au niveau des ateliers informatiques. Ou en tout cas beaucoup moins. Voilà pourquoi il y a un écart entre les deux subventions qui sont allouées, 30 000 euros l'année dernière et maintenant 23 000 euros. Mais la réalité, c'est qu'en fait, en équivalence, en termes d'action, c'est la même chose. Est-ce que vous avez des questions ? Malgré la clarté de mon propos. Des remarques. Allez-y. Alors la première remarque, c'est que avant que vous n'intégriez les subventions à musique et culture dans le cadre du CCS, le budget du CCS au début du mandat était de 33 000 euros. Tout à fait. Donc ça fait une diminution qui est bien supérieure à celle que vous annoncez eu égard aux subventions de musique et culture. D'autre part, vous nous dites que les ateliers informatiques sont très chers. Lors du dernier compte du CCAS, vous nous avez présenté les comptes de trésorerie avec des dépenses qui s'élèvent à presque 25 000 euros. Donc sans avoir le détail des ateliers informatiques. Donc je serais curieuse de savoir combien s'élèvent les ateliers informatiques, en sachant qu'il y a eu des sorties à Carpentras, au Carnaval d'Annecy, à Walibi, et des ateliers informatiques pour un montant de 13 800 euros. Alors, que je comprenne votre demande, vous demandez quoi ? Que je vous détaille le budget du CCS et des actions qui ont eu lieu l'année dernière ? Précisément, c'est un petit peu difficile de voter en conseil municipal une subvention sans avoir le détail des dépenses effectives, avec une dépense qui représente 7 000 euros. J'entends bien, mais à l'occasion du dernier CCS, vous avez eu le détail de l'ensemble de ces dépenses, puisque en plus, vous représentez oui, c'est pour bien le coup. C'est bien ce que je vous dis, mais on n'a pas eu le détail des ateliers mémoire. Écoutez, je vous le donnerai bien volontiers, mais là, pour le coup, le détail, je ne l'ai pas ici. Donc, si vous voulez qu'on vous donne. Pardon. Et on peut tout à fait le faire, je crois qu'on l'avait fait l'année dernière d'ailleurs. Lors, mais du prochain, conseil municipal, un détail complet sur les actions du CCS, on le fera bien volontiers. Mais là, en l'occurrence, je peux difficilement répondre à votre question. D'autre part, vous nous avez expliqué qu'il y avait des aides individuelles qui s'élevaient pour des dépenses de 10 963 euros. Ça peut être ça, je vous crois sur parole. Oui. Et moi, je suis très étonnée que depuis le début d'année, le CCRS ne se soit réuni qu'une fois. Par deux fois, il a été annulé, faute de demande. Mm-hmm. J'ai du mal à penser que dans une commune de 3000 habitants, on ait besoin de se réunir qu'une seule fois par an pour les demandes individuelles du CCRS. D'accord. Donc, je semble imaginer que ce montant, effectivement, de 10 800 euros serait diminué. Mais si on ne se réunit pas et qu'on accompagne les familles, je voudrais savoir comment on les accompagne autrement que par des aides aux situations individuelles. D'accord. Mais en l'occurrence, alors là aussi, vous remettez sur la table quelque chose dont nous avons déjà eu l'occasion de discuter au dernier CCS. Il ne s'agit pas de faire un CCS annuel, mais il ne s'agit pas non plus de faire des CCS quand il n'y a pas d'objet, puisque pas de demande. Oui. Donc, en l'occurrence, les conseils du centre communal d'action sociale sont faits en fonction du nombre de dossiers qui sont établis. Ce nombre de dossiers est établi en fonction du nombre de demandes que nous avons. Mmh. Ce nombre de demandes est dépendant des demandeurs et des gens qui viennent nous voir pour nous demander et solliciter une demande au CCS. Ça interroge. Je trouve que ça interroge depuis le début du mandat. On s'était réunis chaque fois, plusieurs fois par an. Mmh. Là, depuis l'automne dernier, pour être précis. L'automne dernier, depuis l'automne dernier. Une seule fois. Tout et les deux autres CCS qui avaient été prévus ont été annulés. Exact. Donc, j'entends bien le motif, hein, il est légitime, mais ça pose question. Je veux bien que ça pose question, mais je ne sais pas trop bien comment la traiter. Ça interroge sur le fait que les gens qui soient en difficulté ne viennent pas frapper à la porte de la mairie. C'est la question que je me pose. Bah écoutez, j'entends, mais maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils vont plus fréquemment taper à la porte de la métropole maintenant que la métropole fait beaucoup de publicité sur les aides qu'elle fournit ? Je ne sais pas. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Je ne sais pas. Et puis vous savez, il y a beaucoup de familles aussi qui hésitent toujours
à venir à la porte du CCS, parce que pour eux, le CCS, c'est la commune. Et qu'ils ne veulent absolument pas que quiconque soit au courant au sein de la commune. Voilà, on a beau essayer de se battre contre ça, on le vit depuis toujours ainsi. Donc voilà, maintenant pour le reste, je ne pense pas qu'il se soit passé quoi que ce soit dans les 4 dernières années qui fasse que tout à coup, à l'automne dernier, boum, on est beaucoup moins, voire plus du tout, de dossiers ou de sollicitations. C'est difficile à expliquer. J'entends. Alors, ça ne signifie pas qu'on n'a pas de demandeurs qui viennent nous voir. Il y en a certains qui viennent nous voir, mais en fait, ils ne viennent pas nous voir nécessairement pour le règlement d'une facture. Ils viennent nous voir pour qu'on les aide à trouver du travail. Ils viennent nous voir pour qu'on les aide à tout cela. Mais pas nécessairement pour une aide financière. Et quand ce n'est pas pour une aide financière, ben, forcément, ça ne fait pas l'objet d'un dossier au centre communal. Voilà. Vous avez posé quand même une deuxième question qui était celle des 33 000 euros. Ces 33 000 euros, effectivement, c'était le budget qu'on avait repris, d'ailleurs, du précédent mandat en 2014, je crois également probablement en 2015. Et puis, on s'est aperçu, compte tenu de l'argent qui avait été accumulé par le Centre communal d'action sociale depuis des années et des années, qu'il n'était peut-être pas nécessaire, chaque année, de faire un excédent qui est relativement important, et qui semblait montrer que, comme nous n'arrivons pas à consommer l'argent, il n'y a pas nécessairement besoin de thésauriser le CCS n'est pas là pour cela non plus. Et non, je vous rappelle qu'il y a quand même un montant aujourd'hui dans la cagnotte du CCS qui est relativement important, voire très important. On non, pourrait bien aller sûr. Bien au-delà de cette réponse. Mais je trouve que c'est quand même un mauvais signal envoyé. Un mauvais signal à qui? Ben, je ne sais pas, je trouve que par rapport à l'aide sociale... Madame, vous savez, je ne suis pas du tout d'accord. Le jour où un CCS, on lui met un budget zéro, tellement, on n'a plus aucune demande, tout le monde se sent bien et tout le monde vit bien, parfait. En l'occurrence, on n'en est pas là aujourd'hui. Non. Mais là, vous êtes en train d'une réduction de 33 000 à 30 000. Vous n'êtes pas en train de parler d'une réduction de 30 000 à 23 000, parce que la réduction de 30 000 à 23 000, je viens de vous l'expliquer, et qu'elle n'a rien à voir avec les dossiers de demandeurs du budget. Au début du mandat, la subvention de musique et culture n'était pas intégrée au budget. Elle n'était pas, intégrée au budget. C'est vrai, et on thésaurisait énormément. Et on thésaurisait énormément. Donc il y a une épargne en clair aujourd'hui le CDS qui est très importante, qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour vous dire qu'on a de quoi voir venir. Voilà. D'autres choses. Est-ce que du coup, à l'occasion de l'exposé de l'activité du CCAS lors du prochain conseil municipal, il sera possible d'avoir le nombre de demandes année par année depuis 2014? Oh oui, je pense que c'est possible ça. Oui, on en conserve trace. Enfin, on conserve trace du nombre de rendez-vous. Après, oui, forcément, on a également le nombre de demandes en face. Oui, il y a quelques qui sera fait. Pas de souci. Merci. D'autres demandes? Parfait. Et bien dans ce cas-là, je vous propose de mettre au vote le versement d'une subvention d'un montant de 23 000 euros au Centre communal d'action sociale. Qui est favorable? Qui est contre? Et qui contre? Et qui s'abstient? D'accord. Donc une abstention, Monsieur Maguet, et deux contre, Monsieur Molleron et Madame Ferrand. Merci. On passe à la subvention suivante. Qui est la subvention allouée au Rameau d'Or. Donc cette année, le Rameau d'Or nous a demandé une subvention de 9 828 euros, sachant que la subvention de l'année dernière était de 9 515 euros. Je n'ai pas compté le pourcentage d'augmentation, mais il doit être aux alentours de 2-3%. En l'occurrence, c'est une augmentation un peu exceptionnelle. Le Rameau d'Or a vu l'année dernière, fin 2017, son animatrice, Nadège Cartier-Million, nous quitter et être remplacée en janvier par une nouvelle animatrice qui est Madame Fabienne Bipteau. En l'occurrence, l'association a utilisé pour formaliser le départ et la fin du contrat les services d'un avocat et elle a répercuté sur les contributions des différentes communes. Pour chacun, on pourra pas de ce que ça représentait, le montant des frais d'avocat, ce qui explique la petite augmentation. Est-ce que vous avez des questions sur le versement de la subvention au Rameau d'Or? Pas spécialement. Je vous propose donc de passer au vote de cette subvention pour le versement d'une subvention d'un montant de 9 828 euros pour le Rameau d'Or. Qui est favorable? Et c'est l'unanimité. Donc une abstention. Une abstention pour Olivier Perrault. Une abstention pour Olivier Perrault. Et par contre, pour celui pour qui fait le pouvoir, c'est favorable. Parfait. Merci beaucoup. On passe à la troisième subvention qui concerne la FADAC. Et c'est Blandine Broca qui s'exprime. Oui, c'est notre association d'anciens combattants
qui sont présents à toutes nos commémorations et qui voilà, nous demandent, comme chaque année, une subvention d'un montant de 220 euros à la fois pour payer les gerbes, voire les médailles qu'ils donnent à ces occasions. Parfait, des questions sur concernant cette subvention ? Pas spécialement. Donc pour un vote de la subvention d'un montant de 220 euros à l'attention de la FADAC qui est pour. Unanimité, merci. Enfin, dernière subvention, il s'agit donc de la subvention à l'attention de musique et culture, et c'est Christophe Bombet qui nous en parle. Alors, la subvention de l'année dernière a été versée à hauteur de 7 900 euros. Cette année, il est proposé de 12 400 euros pour les raisons que Renaud vient d'exposer, donc je ne vais pas revenir dans l'exposé. Je tiens juste à donner un petit peu quelques chiffres sur l'année de musique et culture pour la saison 2017-2018. Donc, musique et culture a eu 110 adhérents cette année. Ils ont 8 enseignants dans leurs effectifs et l'essentiel de la charge de fonctionnement de musique et culture est lié au personnel. Comme ce en quoi ils se sont engagés dans la convention d'objectifs et de moyens avec la commune, ils ont assuré un certain nombre d'animations comme il était prévu dans la convention. Donc les animations communales, elles sont les suivantes. Le 17 mars 2018, elles ont opéré un concert des groupes de l'école. Le 25 mai, elles ont opéré un concert des chorales. Le 26 mai, donc samedi, ils ont participé à la fête de la Saint-Germain en animant à peu près 2h, 2h30 de l'après-midi. Le 21 juin, elles organiseront la fête de la musique. Donc je tiens à annoncer également que la fête de la musique se fera le 21 juin, donc dans la cour de la mairie. Ils ont également participé aux commémorations comme tous les ans, 11 novembre et 8 mai. Et ils ont également procédé à l'audition de leurs différents élèves aux différents moments de l'année. Essentiellement, donc les instruments qui sont dispensés dans l'école, c'est basse, batterie, chant, clarinette, clavier, guitare, piano, violon, vielle à roue, qui est alors quelque chose auquel est vraiment très surprenant, mais et en fait il s'avère que c'est très couru, donc il y a plein de personnes qui viennent de l'extérieur de la commune pour venir faire de la vielle à roue. Donc il y a 5 élèves de vielle à roue à Saint-Germain. De l'aide musicale, une chorale adulte, une chorale enfant, une batucada, également 3 groupes de musique, pop, irlandais et jazz, et dans la majeure partie des cas, les personnes qui participent à ces différentes animations sont des Saint-Germinois. Voilà. Donc l'objectif de la subvention, quand même, c'est de couvrir le fonctionnement de l'école et également d'assurer la subvention à la contribution sociale qui est demandée par la commune à l'école de musique de manière à faire des tarifs préférentiels, en tout cas à baisser pour les personnes qui sont les plus défavorisées et qui leur permettent d'accéder à l'école, à l'école à la musique, puisque la musique, ça fait partie de ces activités qui coûtent très cher parce que difficilement réalisables en groupe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions sur l'exposé de Christophe ? Pas spécialement ? Parfait. Alors on passe au vote de la subvention pour musique et culture pour un montant de 12 400 euros qui est favorable. C'est une avis. Moi je ne participerai pas au vote dû au fait ce que je fais dans l'école. Je ne préfère pas participer au vote du tout. D'accord. Donc pas de participation au vote de Christophe Vandel. C'est un choix personnel. D'accord. Nous passons au point suivant à l'ordre du jour qui concerne les tarifs de la bibliothèque municipale et c'est Blandine Brocard. On parle du sujet. Jusqu'à maintenant, notre bibliothèque était gratuite pour les habitants de Saint-Germain et en revanche payante pour ceux qui habitaient dans les communes extérieures. Et il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, puisqu'il y a à peu près 3% des abonnés viennent des communes extérieures. Donc c'est un peu compliqué à mettre en place un tarif payant pour 3% d'abonnés. Et il y a aussi un autre point qui est mis dans la balance, qui fait qu'on va vous proposer effectivement que la bibliothèque municipale soit complètement gratuite pour les Saint-Germainois comme pour les autres. C'est le fait que notre bibliothèque est désormais membre d'un réseau logiciel commun qui inclut aussi Saint-Romain, Roche-Taillé, Montagné, Satonnet, Village. Et que toutes ces bibliothèques sont gratuites. Et donc voilà, pour faciliter la mise en réseau, on fait la gratuité pour tous. Donc c'est ce qu'on va vous proposer. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette délibération ?
Pas spécialement, alors on passe aux questions. Ça représente combien les frais d'abonnement, c'est 3% du tout. Et bien, en fait, normalement, c'est 9,15 € pour les extérieurs. Mm-hmm. Et voilà. On n'a jamais mis ça en œuvre parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire une régie de machin. Et voilà, comme on avait de toute manière en perspective de se mettre en réseau, que toutes ces bibliothèques, comme je viens d'expliquer, sont gratuites et c'est l'intérêt qu'on dépose dans une et dans l'autre, enfin voilà, ça fait un manque à gagner à presque nul, quoi. Par rapport à l'intérêt, justement, qu'on va avoir à une femme en réseau. Moi, je serais. Pour le compte rendu, je rajouterais bien un S à fond, parce qu'un fond, il y a un S. Voilà. Alors, on peut faire ça, comme je suis secrétaire de séance, je te le fais. S'il y a d'autres questions, de fond, justement. Pas d'autres questions ? Alors, dans ce cas-là, on passe au vote. Il est proposé au Conseil de décider que l'inscription à la bibliothèque municipale de Saint-Jean-de-Mont-d'Or sera gratuite pour tout usager, quelle que soit sa situation, son âge, ainsi que son lieu de résidence, qui est pour unanimité. Merci. Point suivant à notre ordre du jour, il s'agit de la délibération annuelle concernant les tarifs de notre accueil de loisirs à Steven. Et c'est Olivier. Va nous passionner. Oui, donc comme chaque année, on a appliqué 1% d'augmentation sur la totalité des tarifs. Et en fait, j'avais demandé à ce que soit joint le petit tableau que je vous ai distribué tout à l'heure, de manière à ce que vous puissiez avoir l'historique des tarifs et les méthodes de calcul depuis 2014. Donc il n'y a pas de changement autre que cette augmentation de 1% qui se traduit par très peu de différence, je dirais. Il y a même certains tarifs qui ne bougent pas du tout dans la mesure où... Par le jeu des arrondis ? Oui, par le jeu des arrondis. Voilà, donc systématiquement, on reprend pour le calcul les... On n'applique pas le 1% au dernier tarif publié, mais 1% au tarif non arrondi de l'année précédente et de l'année précédente et de l'année précédente, etc. Ce qui fait qu'on reste au plus juste, au plus près de cette augmentation de 1%. À part ça, on a a priori, pour l'instant en tout cas, supprimé le tarif passe-accueil qui existait. Alors bon, en même temps, il reste valable tant qu'il n'est pas, aboli, dans la mesure où on a plutôt envie d'aligner les animations pour les ados avec l'accueil vacances scolaires pour les plus petits, et donc leur créer un vrai programme avec des animations. Vous avez dû voir passer le programme qui a été fait. Alors là, on n'est pas en vacances scolaires, mais c'est un programme qui a été fait pour une période préalable aux vacances scolaires, donc pour les ados qui sortent du collège. En fait, ce qui est collège de la région, libère les ados entre le 12 juin et le 18 juin pour certains collèges ou lycées. On leur a fait deux semaines d'accueil avec plein d'activités pour permettre aux parents qui ont du mal à avoir plus de 3 mois de vacances, d'avoir quelques activités pour les ados. Voilà, et donc on part du principe que les tarifs pour les ados seront les mêmes que pour les petits, avec éventuellement des suppléments pour des activités qui sont très, très onéreuses, bien que... voilà. Bien qu'on en réduise le coût. Oui, bien qu'on en réduise le coût énormément, parce qu'en fait, ça donne des activités intéressantes pour certaines qui sont bien pas très chères. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant les tarifs passés ? Maintenant que non, tu as autre chose ? Non, je crois que c'est tout. Oui, les tarifs des repas par le fournisseur, ils changent d'année en année ou ils sont renégociés à chaque fois que le nouveau contrat est passé ? Ils sont renégociés à chaque fois qu'un nouveau contrat est passé, mais les contrats sont passés pour combien de temps ? 5 ans ?
5 ans. Donc le prix de la cantine augmente alors que le coût de... Mais le coût du personnel, le coût du personnel, le coût de la structure, le coût de l'électricité, il augmente. D'accord, mais pas le coût fournisseur. Pas le coût du repas pour 3 ans. 5 ans. 5 ans. C'est à mon avis, il doit y avoir un indice. Ah oui, il doit y avoir un indice. Il y a peut-être un indice, oui. Il y a peut-être un indice, effectivement, d'évolution des matières premières ou un truc dans ce coup-là. Oui, il y a bien un indice. On pourra vous apporter la réponse si vous souhaitez le regarder plus près. Il y a peut-être un indice de révision qui va renforcer. J'imagine qu'il y a une petite variation. Exprimez-vous, monsieur. Bah, je trouve le tarif minimum élevé et je trouve la progressivité assez limitée. Le tarif minimum, il est plus élevé qu'au Québec, par exemple, qu'à Jean-Renoir. Et l'écart entre le tarif minimum et le tarif maximum, c'est de 1,10€, c'est un peu long. Ce qui ne me paraît pas énorme. Donc je pense qu'il y aurait des mieux à faire en termes de progressivité du prix de la cantine, notamment pour les plus bas revenus. On avait l'année dernière, d'ailleurs vous voyez une rupture dans le tableau historique sur la cantine, on avait l'année dernière baissé les tarifs de la cantine de manière à étendre la dégressivité, étendre la dégressivité jusqu'au QF équivalent à peu près 1 000 €. Alors qu'avant, la dégressivité était sur les QF jusqu'à 820, quelque chose comme ça. Voilà, c'est donc la dégressivité est plutôt plus importante. En termes de quotient familial, oui, mais finalement, quand on prenait la simulation que vous avez donnée l'année dernière, globalement, il y avait une bonne moitié qui payait le tarif minimum, une bonne moitié qui payait le tarif maximum, et puis très peu entre les deux. Et donc c'est pas si progressif que ça. Il y a très peu de gens qui payent autre chose que 3,30 € ou 2,40 €. Il y a peu de gens qui payent autre chose que 3,30 € ou 4,40 €. Et encore une fois, le 3,30 € le tarif minimum me paraît. Que vous dire c'est des conversations qu'on a d'ailleurs avec le public qui nous connaît bien et qui a depuis longtemps, nous entend tout le temps chaque année discuter de ça. Vous me trouverez toujours des tarifs inférieurs quelque part. Hein. Toujours. Oui. Toujours des tarifs supérieurs. Vous me trouverez surtout beaucoup de tarifs supérieurs. Sur la restauration, peut-être moins, on est loin d'être plus haut. Et sur le périscolaire, alors là c'est sûr, du supérieur, vous allez en trouver partout. Hein, des tarifs. J'en ai très pas cher du tout sur le périscolaire, vraiment pas cher. Depuis le début, on a dit, on perd de l'argent. Mais c'est normal de perdre de l'argent quand on est un service public, c'est clair. On perd de l'argent sur tout ce qui est périscolaire, accueil de loisirs, etc. Et on le sait et on l'assume. Cela dit, on en perd beaucoup par rapport à nos différents voisins. Parce que là, on peut quand même aller étudier ce que les uns et les autres font avant de dire des bêtises. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, en 2014, chaque année on augmentait. Alors on aurait pu faire un truc un peu violent et dire on va se mettre au même niveau que les autres communes en moyenne. On ne l'a pas fait, et pourtant on n'était pas dans une situation financière très simple. On ne l'a pas fait, et on s'est dit, donc chaque année, on va maintenir les tarifs, chaque année on va augmenter de 1%. Comme ça, pas douloureuse, les choses se font de façon progressive, et on va essayer de trouver des économies ailleurs, l'économie qu'on recherchait. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a des tarifs qui me semblent être franchement très équilibrés. Pour le périscolaire, pour la garderie, pour l'accueil de loisirs. Je rappelle encore que cette année, pour les tarifs de la garderie du mercredi matin, on a fait le choix d'appliquer les tarifs des tables dernières, oui. Qui était plus intéressant afin de ne pas pénaliser les gens du fait qu'on passe d'une période avec des tables à une période avec le mercredi libéré et donc la nécessité de faire garder les enfants, en rajoutant d'ailleurs que ça ne durait qu'un an, mais on l'a fait, une fois de plus. Donc, si vous voulez, on ne peut pas aligner des tarifs vers le bas absolument partout, c'est pas possible. Cela dit, il y a une réflexion qui pourrait être intéressante à mener. Mais pour le coup, je me retourne vers vous, Mme Perardel, parce qu'il serait peut-être intéressant qu'on l'amène au niveau du centre communal d'action sociale. Si l'on considère que véritablement, pour les QF 0 à 500, il y a pas mal de gens qui sont concernés, ce serait bien de faire un geste, etc. On peut aussi décider, parce que c'est une action sociale, malgré tout, au niveau du CICES, de faire quelque chose. Je
pense qu'on a un petit peu de moyens. Maintenant, je n'ai pas fait les calculs pour savoir combien ça coûterait, donc je ne veux pas m'avancer non plus en disant des bêtises. Et c'est peut-être par ce biais-là qu'on peut faire quelque chose. Mais au niveau des tarifs tels qu'ils sont affichés aujourd'hui, franchement, vraiment, on n'a pas à rougir. On n'a pas du tout à rougir. Voilà. Alors, je sais bien que vous allez me dire, oui, mais on a quand même, c'est mieux pour la restauration que pour le périscolaire. Certes, j'entends bien, mais pour le périscolaire, c'est même tellement mieux que c'en est presque déraisonnable. Alors, bonne super nouvelle. Alors, du coup, si vraiment vous avez fait cette étude du coût du périscolaire et de combien ça coûte vraiment à la commune et de combien. Ça serait intéressant de savoir de combien la commune est déficitaire. Et si vous avez fait une étude comparative avec les villages alentours, je serais ravi de. Alors, vous avez déjà sorti l'année dernière, parce que vous nous l'aviez déjà demandé, vous ne vous en souvenez pas, vous avez déjà sorti les tarifs de plusieurs communes autour de nous et leurs tarifs en matière de périscolaire comparés aux nôtres. Vous l'avez déjà fait. Donc, on peut le refaire de nouveau. Pas de soucis sur cette question-là, si vous le souhaitez. Maintenant, ce ne sera pas exhaustif non plus, mais je ne peux que vous encourager. Allez vous-même regarder après, je vous jure que c'est facile. Et on vous les donne, ils sont même publics, hein, ils sont tout le temps sur Internet. En petit exemple, la commune de Quincieux a augmenté ses repas de 20 centimes d'une année à l'autre pour effectivement augmenter, parce que ses prix étaient trop bas, et ils ont réaugmenté cette année. Oui. Donc nous, on augmente 20%, eux, ils ont fait un bon de 20 centimes d'un coup. Donc, parce que la chute des dotations fait très mal à certains. Voilà, qui s'aperçoit du prix des choses. On essaye de faire des augmentations. Par ailleurs, sur la question de la perte, je suis aujourd'hui complètement incapable de faire ce calcul. Toujours pour la même raison. La comptabilité analytique, mon Dieu, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Il était décidé de former un certain nombre de personnels dans cette maison pour qu'on puisse avoir une comptabilité analytique. Et nous attendions le retour de Cécile Guillouet de son congé maternité parce qu'elle devait participer à cette évolution-là. Et ainsi que je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Cécile Guillouet est repartie vers sa Bretagne natale. Nous avons l'intention d'embaucher quelqu'un prochainement. On va pouvoir enfin, j'espère, mettre en place ce qu'il faut pour faire de la vraie comptabilité analytique, parce que c'est vrai, le prix d'un repas, le prix de la garde d'un enfant, eh bien, c'est de l'électricité, c'est du gaz, c'est du loyer, c'est du, etc., etc. C'est relativement complexe. Donc, pour faire les choses bien et pas faire n'importe quoi, on a besoin de gens qui savent faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, savoir combien on perd, je ne sais pas, mais alors on perd, c'est sûr. Mais j'ai pas compris. Voilà. Et un mot supplémentaire, le Chaplin augmente de 1%, mais la plupart des indices, c'est-à-dire que sur une année, ont augmenté de plus que 1%. Donc en réalité, c'est plutôt une baisse de tarif par rapport à tous les indices. Tu parles de quels indices? Indices du coût de la vie, la consommation, etc. C'est l'inflation de 2017. Si c'est ça, ça veut dire qu'on n'a pas augmenté. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à propos de cette grille tarifaire pour l'accueil de loisirs? Rien sur la grille tarifaire, juste toujours la même remarque que j'ai déjà dû faire l'année dernière. Oui. Sur le fait que vous avez créé une garderie périscolaire de 7h20 à 8h30 et vous nous rappelez que la législation impose une amplitude maximale de 10 heures pour l'accueil de loisirs. Est-ce que ça veut dire qu'un enfant peut être gardé plus de 10 heures en accueil collectif? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est quelque chose qu'on avait récupéré d'avant, que j'avais vu, qui m'avait été communiqué. En l'occurrence, il n'y a pas de législation qui impose une ouverture de 10 heures. Et par contre la CAF, systématiquement, ne porte ses aides que sur une amplitude de 10 heures. Il n'y a pas de législation, on pourrait ouvrir 18 heures par jour, mais par contre, on aurait. On serait remboursé qu'à hauteur de 10. Voilà, qu'à hauteur de 10. On pourra vérifier ce que vous dites. On pourra vérifier ce que vous dites. Vérifier. Pour le fait qu'il n'y ait pas de législation. Vérifier. Ah oui, vous pouvez vérifier. Par ailleurs, j'ai les oreilles qui traînent au niveau de la CAF et a priori les aides qu'ils nous donnent, puisque la CAF nous verse son obol, faible, mais nous verse son obol quand même pour participer aux actions qu'on mène en matière périscolaire, extrascolaire, etc. Eh bien, ces fonds vont diminuer relativement fortement, semblerait-il. Donc, je vois la CAF bientôt à ce propos. Donc, imaginez bien que, espérons ensemble que l'année prochaine, je vous annonce des augmentations de 1% et pas plus. Est-ce que vous avez des commentaires autres ou d'autres questions? Non? Alors on va passer, si vous le voulez bien, au vote.
cette nouvelle grille des tarifs qui est valable à partir de la rentrée prochaine. Qui est favorable? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Monsieur le maire des Moderons, Madame Ferrin. Merci. Point suivant à notre ordre du jour, il s'agit des tarifs de location de salles. Olivier, c'est pour toi. Écoutez, en fait, sur les tarifs de location de salles, on ne change rien, on garde les mêmes tarifs. Mais par contre, on vous propose cette année d'augmenter les cautions qui sont demandées, parce qu'on s'est aperçu que les cautions étaient faibles et que... Ridicule au égard au matériel qui pouvait être utilisé, aux dégâts qui pouvaient avoir lieu. Je rappelle qu'une caution, c'est dissuasif. Hein. Voilà. Voilà. Pas fait pour l'encaisser. C'est fait pour dissuader de faire des bêtises. Est-ce que vous avez eu des dégradations? On en a quelques-unes. Au niveau de la régie, un peu. Ouais, la régie, on a eu. La cuisine, on a eu. La cuisine aussi. Et le but, c'est vraiment de créer un système vraiment d'état des lieux d'entrée et de sortie à chaque location. Parce qu'on a un petit peu de mal, quelquefois, à voir d'où viennent certaines dégradations, comme dans la salle dans le bassin. Petit centre aussi. Le siège, le petit centre. Voilà. Et également d'avoir aussi une petite. Pouvoir dissuader des gens qui prendraient des libertés avec le bruit, Donc les tarifs de location de salle n'évoluent pas, seuls les tarifs des cautions sont proposés à la hausse. Pour votre information, par exemple, avant la caution pour louer la salle Marie-Bastier, s'il y avait des problèmes, c'était 100 euros. Donc on l'a proposé à 500. Il aurait pu être intéressant, même si elle n'augmente pas, de présenter les tarifs pour que ça vous donne une idée de ce que représentait la location des... Tu es capable de nous trouver les tarifs sur ton magnifique ordinateur? Oui. On va vous trouver ça dans 2 minutes. Donc, Marie-Bastier, avant, il y avait une caution de 100 euros, elle est proposée à 500. Georges Brassens, il y avait une caution de 100 euros, elle est proposée à 500. La régie de Georges Brassens, c'est là où il y a tout le matériel, le sono, technique, etc., était proposée à 200 euros, elle est proposée à 500. La cuisine était proposée à 100 euros avec les frigos, les machins, on l'a proposée à 500. On s'est beaucoup tourné le cerveau, comme vous voyez, pour imaginer la juste caution. Le bar était proposé à 100 euros, nous l'avons proposé à 200. Ah non, mais on a réfléchi. La salle de la tour était proposée à 100, nous l'avons proposé à 100, globalement. Deux ans en plus que c'est dans la salle de la tour que vous vous réunissez régulièrement. On a pensé à vous. Et le petit centre était proposé à 100 euros, était mis à 100 euros la caution, et nous l'avons proposé à 500. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les tarifs des locations municipales? Oui, ils sont disponibles sur le site internet de la mairie. Donc la salle Marie-Bastier est louée 125 euros aux associations et 250 euros aux contribuables et 700 euros aux extérieurs par jour, bien sûr. Georges Brassens, 75 euros aux associations, 150 euros aux contribuables Saint-Germinois, 500 euros aux extérieurs. La régie de la salle Georges Brassens n'a pas de tarif. La cuisine, 75 euros, 150, 500. Le bar, 35, 70, 200. La salle de la tour, 35, 70, 200. Le petit centre, 50, 100, 300. Et il y a un forfait chauffage pour la salle Marie-Bastier de 55 euros. Et à cela s'ajoute toutes les règles de gratuité qu'on avait votées il y a quelques temps pour les associations, notamment. Et qui nous semble ne pas devoir bouger. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas spécialement. Alors on va passer, si vous voulez bien, au vote pour modifier le montant des cautions demandées lors des locations des différentes salles de notre commune, qui est favorable à la grille qu'on vient de vous exposer. Unanimité. Oui. Merci beaucoup à tous.
Point suivant à notre ordre du jour, la création d'un poste d'adjoint du patrimoine. Donc c'est un poste dont nous ne disposions pas à Saint-Germain. C'est un poste dont on vous a déjà parlé à l'occasion du débat sur le budget au mois de mars dernier. Donc on vous propose la création d'un emploi permanent d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe. Il s'agit d'un catégorie C pour les initiés. À temps complet, au titre de cet emploi, l'agent qui sera affecté sera chargé de travailler sur la mise en œuvre de la politique d'animation culturelle et lecture publique de la commune qui se développe pas mal et qui a vocation à se développer encore davantage. D'ailleurs, Blandine nous a parlé, en matière de lecture publique en particulier, de ce qu'on faisait avec les autres communes, de ce qu'on allait être amené à faire, puisque bientôt les Saint-Germinois pourront donc commander des bouquins dans d'autres communes, et ils viendront chercher les bouquins ici, et en particulier à la bibliothèque municipale de Lyon, qui a un stock qui n'est pas inintéressant. Voilà, la personne qui va s'occuper de ça s'appelle Arthur Ronquetto. Il est en service civique chez nous, comme quoi les services civiques, ça peut aboutir à un emploi. Il a été en service civique du mois de septembre de l'année dernière, c'est ça ? C'est chaud. Au mois de mai de cette année. D'ailleurs, il y a quoi comme diplôme, Arthur, un diplôme bibliothécaire, un master. Il était professeur, mais il avait un master en histoire. Pas que. Il avait une formation bibliothécaire. Il a fait une formation documentaliste. Voilà, c'est ça. Je cherchais le terme. Donc, ce poste est pour donc cela. Il est également pour la refonte et l'exploitation des différents outils dont nous disposons en matière de communication communale. Ils sont nombreux et ils ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, mais il y avait un homme et un seul qui tenait la boutique jusqu'ici. J'ai nommé Olivier Perrault à ma droite, qui fabriquait le petit potin toutes les 6 semaines, le bulletin municipal une fois par an, Facebook, je crois que c'est toi, Twitter. Tu t'en charges aussi, le site internet également, le futur nouveau site pareil. Et donc, bien, assez naturellement, il n'est pas logique qu'un élu passe son temps à faire tout en lieu et place de la collectivité qui emploie des effectifs pour cela. Donc, Arthur Ronquetto sera amené à soulager un peu notre ami Olivier sur l'ensemble des travaux qu'il mène en matière de communication communale. Enfin, troisième point, troisième axe de travail, développer et entretenir les outils et les usages en matière de système d'information et d'utilisation de nouvelles technologies. Les nouvelles technologies nous envahissent, vous l'avez bien remarqué, on en a de plus en plus, on en aura de plus en plus besoin, de plus en plus d'usages, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont un peu perdus face à ces nouvelles technologies. Donc je citais tout à l'heure le fait que nous avions besoin d'aider un certain nombre de Saint-Germinois qui aujourd'hui ont une tablette, ont un PC qui bug, etc. Alors c'est souvent dans la population senior, mais pas que. Arthur Ronquetto aura également vocation, ça a déjà été annoncé sur le panneau électronique, et peut-être même d'ailleurs dans le dernier petit potin, me semble-t-il, à accompagner des Saint-Germinois qui ont un problème, qui ont un bug, qui viendront directement à la bibliothèque pour qu'on puisse les aider à débloquer les choses ou les former une heure ou deux. Voilà, ça fait partie des principaux axes de travail. En clair, il ne chômera pas, et c'est pour cela que nous souhaitons aujourd'hui créer un emploi permanent d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe, catégorie C, à temps complet. Est-ce que vous avez des questions pendant que je bois? Il sera très certainement nommé bientôt Data Protection Officer, puisque le RGPD en français, puisque puisque depuis le 25, on a l'obligation, toutes les communes ont l'obligation d'avoir ce Data Protection Officer. Tous les services publics. Ouais, mais je vais vous dire, on va être un des seuls à l'avoir tout de suite. Hein. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est chargé de s'assurer que la commune délégué à la protection des données. Voilà, protège correctement l'ensemble des données qui concernent notamment les habitants et qui se trouvent sur nos différents réseaux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Pas spécialement. Je vous propose donc de passer au vote pour la création d'un emploi permanent d'adjoint du patrimoine municipal de seconde classe, catégorie C, à temps complet. Qui est favorable? C'est l'unanimité. Je vous remercie. Moi, j'avais une petite remarque à faire sur la précédente création d'emploi que vous aviez faite. Oui. C'était celle d'un rédacteur territorial. Catégorie B. Catégorie B. Oui, c'est oui. Et donc, je sais aussi que cette personne a fait des suppléances de contrat. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était de la pérennité de ses missions. D'accord. Ok, pour l'information générale, donc cette personne, il s'agit en l'occurrence de Laure Psychotélie. Laure, je manque à tous mes devoirs, parce que tout à l'heure, j'ai dit que Cécile Guilouet, la directrice des services, nous quittait. Je ne vous ai pas dit que j'ai demandé à Laure Psychotélie d'assurer son remplacement définitif, là où Laure Psychotélie nous l'avait déjà remplacé pendant toute la durée de son congé maternité avec un certain succès. Laure Psychotélie a eu le bon goût d'accepter la proposition et par conséquent de prendre la place de Cécile Guilouet. Alors Laure Psychotélie, effectivement, elle occupait un poste que nous avions créé il y a 3 ans maintenant et sur lequel on avait d'ailleurs demandé s'il était possible ou pas de prolonger une 4e année. Donc les besoins sont toujours là. Ils correspondaient d'une part à un boulot qui était un peu de, comment va-t-on appeler ça, correspondant qualité. Enfin en gros, Laure passait dans les différents services, elle ne les a pas tous faits, pour voir et travailler avec les équipes pour savoir comment améliorer absolument tout, dans tous les domaines, avec pas mal de succès d'ailleurs sur ces 3 dernières années. On a encore besoin de ce poste naturellement parce qu'on n'a pas passé tous les services au crible, toujours moins de là. Par ailleurs, l'arrivée de Laure à ce poste fait que on va avoir besoin, nous, de quelqu'un pour aider Laure et en même temps pour faire ce qu'elle faisait dans son poste précédent. Donc il n'est pas question de laisser ce poste vacant. On souhaite recruter quelqu'un pour occuper le poste qu'occupait Laure. On a fait une annonce pour cela. Ce sera quelqu'un qui n'aura probablement pas exactement le même profil, puisqu'on est en attente de quelqu'un qui a un profil financier aussi, pour toutes ces questions de comptabilité analytique qui nous posent la vie depuis 4 ans, et sur lesquelles on a, vous avez besoin de vous d'informations, nous aussi. Bref, il faut quelqu'un qui soit un peu costaud sur ces affaires-là. Donc voilà, on va faire évoluer le poste, mais c'est bien catégorie B qu'on cherche. Et qui occupera ce poste-là lorsqu'on trouvera, probablement plutôt aux alentours de la rentrée de septembre, si on a de la chance. En attendant, ben, leur travail de réussite. Avec bonheur. Non, on va ralentir un petit peu le rythme. Mais... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas spécialement. Ils ont demandé au conseil municipal. Qu'est-ce que je fais là? Mais non, j'ai déjà voté. Vous m'avez posé la question après. Eh, troublé, ma intervention. On passe donc au point suivant, à notre ordre du jour, qui concerne, c'est le moment que je préfère, l'année. Je me demande, j'en ai tapé un. Non, c'est la bonne page, mais c'est pas le bon truc. C'est le haut. Ah oui, 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 c'est après. Ça retarde un peu. Donc, le point suivant, à notre ordre du jour, après. C'est le renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres. Je rappelle que nous avons eu des départs ces derniers mois qui font qu'il nous manquait 2 membres à la commission d'appel d'offres. Il s'agissait de Madame Toutant et avant de Monsieur Jacques. Donc si la loi n'exige pas nécessairement de remplacement, il me semble normal et démocratique que l'opposition soit fasse partie naturellement de cette commission d'appel d'offres. Et donc j'ai proposé à ce que nous renouvelions intégralement la commission d'appel d'offres. Il y a eu des discussions entre Madame Perrardel, qui représente votre groupe, et nous-mêmes, afin de faire ce qu'on appelle une liste commune des titulaires et des suppléants, de faire une seule liste pour la commission d'appel d'offres. Votre groupe l'a accepté et je vous en remercie. Et par conséquent, maintenant, nous devons procéder au vote de cette liste, à moins qu'il n'y ait 2 listes. Est-ce qu'il y a, c'est la première question que je vous pose, une 2e liste, ou est-ce qu'on s'en tient à la liste commune que nous avons avec l'opposition? Je vais la donner, mais je ne l'ai pas en fait. Il y a donc sur cette liste proposée 3 titulaires qui sont Cyril Lebras, Christophe Vambel et Jean-Philippe Maguet.
Et nous avons trois suppléants proposés qui sont Paul Didier, Jean Cibor et Valérie Perrard. Voilà. Alors, si cette liste vous convient et que vous souhaitez un seul vote, c'est très bien. Et si vous souhaitez en proposer une autre, pas d'autre liste. Alors, second point, je vais également vous demander une deuxième autorisation. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, normalement, on vote d'abord les titulaires, on fait tourner la boîte, on met la liste des titulaires dedans, on dépouille et on fait un. Et puis ensuite, on recommence pour les suppléants. Je vous propose de faire la chose en une seule fois. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Pas spécialement. Alors, on va faire comme ça. Laure Cicotelli va donc passer, vous remettre à chacun une liste qui est celle qu'on vient de vous proposer. Pardon ? Non. 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 Ça se fait à bulletin secret. Oui, il faut deux bulletins pour ce compte à pouvoir. Hein. Donc, vous indiquez bien au passage de l'or, s'il vous plaît. Bien sûr, vous pouvez mettre un blanc ou alors mettre une liste sur la liste que vous voulez sur un autre petit papier. Tu me précèdes. Mais c'est exactement ça. Voilà. Il m'en faut deux. Merci beaucoup. Voilà. Donc effectivement, au-delà des listes qui viennent de vous être distribuées, vous aviez sur votre table des papiers blancs sur lesquels vous pouvez indiquer au choix une autre liste ou bien tout le bien que vous pensez du maire. Enfin, bref, ce que vous souhaitez. Et nous allons passer dans les rangs avec l'urne. C'est l'ordre qui passe également ou on se la passe? C'est lourd. Non. Bon, alors dans ce cas-là, passez peut-être par l'intérieur. Alors, on est supposé avoir combien de bulletins? C'est la première question qui se pose. Non, c'est rien. Combien est-ce qu'il y a de temps moins combien est-ce qu'il y a d'inscrits? Non, parce qu'il y a des. Il faut inscrire du pouvoir. Voilà. Voilà. On est dans des 16 à 20 bulletins maximum. Si tu en trouves 21, tu le laisses au fond de la boîte. Voilà. J'ai enlevé mes petits papiers. Ouais, tu as même enlevé tout ça. Allez, on enlève tout ça. Voilà. La boîte est vide. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et il y a bien 20 bulletins. Parfait. Alors, ben on va dire liste ou autre chose. Hein, donc, allez, je vais citer la tête de liste. Alors, Cyril Levrin. 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 Ah, Cyril Levrin. 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 Et Cyril Levrin. Ouais, 100%.
qui est donc voté à l'unanimité des votants. Parfait. Voilà, alors on passe à présent au point de l'ordre du jour que je préfère dans l'année. Après le budget. Le jury d'assises 2019. Et il est proposé au conseil municipal de désigner par tirage au sort les 6 personnes âgées d'au moins 23 ans, ah bah pas moi, au 31 décembre 2018, et qui figureront sur la liste préparatoire à la liste annuelle du jury d'assises pour l'année 2019. Alors, petite variation par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, nous avions 3 chiffres à donner, celui du numéro de bureau, celui du numéro de page, celui du numéro de ligne. Mais maintenant, on part d'une liste épaisse, dans lequel nous avons des numéros de page et des numéros de ligne, et c'est tout. Par conséquent, c'est à vous de remettre ça, c'est vous qui faites pour les numéros de page et numéros de ligne, en sachant que les numéros de page vont de combien à combien ? 2. 1. 226. De 1 à 226, et les numéros de ligne ? De 1 à 10. De 1 à 10. Oui. Christophe, est-ce que tu peux te mettre à côté de Laure, s'il te plaît, afin de se contacter pour vérifier qu'elle ne dit pas de bêtises. S'il y a mon nom, c'est une bêtise. Alors allons-y. On commence par toi, mon cher Philippe. Un numéro de page entre 1 jusqu'à 226. 221. Un numéro de ligne, monsieur Maguet. Sur 1 et 10. Et bien le 7. Le 7. Qui est le regagnant? Madame Brigitte Valaz.99. Monsieur Molleron, une page de 1 à 10. La 5. La 5e ligne. C'est pas une page, c'est une ligne. Pardon. Madame Giraud, Catherine Michel Marie. C'était juste à l'intérieur de ta femme. Allez. Maintenant, on sait vers où il faut viser. Oui, c'est ça, on sait. Le premier qui s'amuse à ça, je lui vouerai une haine personnelle. Sylvie, tu sais comme je t'aime. Numéro de page, s'il te plaît, entre 1 jusqu'à 226. 126. Marie-Christine, peux-tu nous donner un numéro de ligne entre 1 jusqu'à 10? 6. Sixième ligne. Monsieur Laroy Olivier Charles. Laroy Olivier Charles. D'accord. C'est le quatrième, c'est ça? Oui. Oui. Et non, il en reste 2. Ok. Non, en fait, je demande à qui je veux. Ça, c'est bien. Réglementairement, je demande à qui je veux. Donc, toi, t'as éliminé mes d'office. Tu le savais. Hélène. J'ai déjà dit. Hélène, j'ai envie de refaire une orphelin.
Non, mais genre, vous jouez. Alors, vous ne jouez pas. C'est la chance. Vous avez la chance. Aujourd'hui, les actions sont en nombre de 7, la garderie périscolaire, l'accueil de
l'établissement d'accueil pour du jeune enfant, la formation BAFA BAFD et le relais d'assistante maternelle, ainsi que l'accueil des adolescents le mercredi et les vacances scolaires. Donc aujourd'hui, la commune souhaite développer des activités destinées aux adolescents. Donc, comme vous l'expliquez tout à l'heure, Olivier, on propose à partir du 25 juin 15 jours pour les adolescents pour proposer des activités pendant ces 15 jours. Et à partir des vacances d'octobre, donc nous accueillons également les 15 euros au centre de loisirs. Voilà. Est-ce qu'à propos de cet avenant au contrat enfance jeunesse, vous avez des questions? Monsieur Maguet. Bah, on aurait bien aimé voir le texte, donc on a pu comprendre que ce n'était pas possible parce qu'il n'existait pas encore. Oui, c'est exact. En fait, la CAF n'a pas encore voté les fonds qui sont alloués pour les nouvelles propositions qu'on sera amené à leur faire jouer cette semaine. Alors, cela dit, l'avenant ne peut être que plus favorable. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'avenant qui sera signé, c'est un avenant qui nous permettra de récupérer des fonds. Voilà. Ou pas du tout. Mais en tout cas, ce ne sera pas déficitaire pour la commune si plus. En fait, on ne va pas voter de l'argent que la commune met, mais on va voter un avenant qui nous permet de recevoir de l'argent de la CAF pour ces nouvelles activités, en sachant qu'on ne sait pas encore si on pourra. Mais bon, la CAF n'est pas très très rapide, et nous, en l'occurrence, les nouvelles activités qu'on veut mettre en place, ainsi que vous l'avez compris, c'est à l'attention des adolescents, et c'est justement la CAF. C'est pour ça qu'on est obligé d'en passer par nous, pour être prêt le jour J. Voilà l'explication. D'autres remarques? Oui, justement pour cet accueil des adolescents du 25 juin au 6 juillet, ouais. Comment ça va se passer pour, en termes d'encadrement? Parce que j'imagine que pendant ce temps-là, les activités de garde périscolaire continuent, tout ça, donc vous allez recruter du monde, ça, tout à fait. Comment ça se passe? On recrute en sachant que c'est en fonction des inscriptions qu'on aura. Je crois que les parents ont jusqu'à quand pour s'inscrire? Je sais plus, il y avait une date limite. On recrutera en fonction du nombre d'enfants qui sera. Dans la tête, il ne faut pas que ça dépasse. Enfin voilà, si on a un groupe de 12, c'est très bien. Si on en a 24, non, on fera. Si c'est au-delà, là, ça commencera à devenir compliqué. Donc, on pourra tenir jusqu'à 24. C'est très problématique en fait, parce qu'on veut être très souple. Donc on ne dit pas aux enfants, si vous vous inscrivez, c'est pour toute la semaine. Non, c'est des ados. Ça j'aime pas. Tiens, ça j'aime, et j'amène un copain. Donc, il y a certaines demi-journées où on aura 12 personnes, d'autres où on en aura peut-être moins, d'autres où on en aura plus, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux parents et aux enfants d'inscrire leurs enfants relativement tôt pour avoir le temps de se retourner et de faire les bons recrutements au bon moment. Mais oui, effectivement, pendant les travaux, l'avant continue. Donc, le côté périscolaire, on aura toujours besoin d'avoir des limites. Sachant qu'on a quand même une animatrice qui est dédiée qu'aux adolescents. Mmh. Elle est déjà, s'il y en a 12, elle est là pour. De questions? Pas spécialement. Donc, je propose au conseil municipal de m'autoriser à signer un avenant en contrat permettant d'inclure les actions précitées et donc de récupérer les fonds que pourra bien nous allouer la caisse d'allocation familiale dans le contrat enfance, au titre du contrat enfance et jeunesse, qui est favorable. Une unité pour récupérer des sous. Merci. Vous avez noté qu'il y avait une petite coquille dans le texte orthographique, et qu'Olivier n'a pas vu. J'ai pas lu. Ce n'est pas possible, Jean-Pierre. Enfin. Alors, tu l'as pas lu? Souhaite développer. Ah ouais, la commune souhaite développer. Bon, on a voté avec la correction orthographique qui sera faite prochainement. Ok, d'autres remarques? Si on commence à se battre sur les fautes d'orthographe. Il y a un M majuscule à, voilà, monsieur, à monsieur le maire. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Tu sais qu'orthographiquement parlant, y a pas. Ça se fait pas. Mais vous êtes toujours pas René, là. Oui. Et à mère, oui? Non, à monsieur, oui, mais à mère, non. À monsieur, oui, mais à mère, non. Ok. On peut dire chaque fois, mais tu ne veux pas l'entendre. Non, je ne veux pas l'entendre. C'est pas moi qui fais les délibérations. Et les actions précitées, c'est en un seul mot également. Bien. Ok. Non, pas du tout. On a voté? Excusez-moi, j'ai voté? Oui, j'ai voté. Point suivant à notre ordre du jour, pardon. J'en perds mon latin.
Il s'agit de l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges des communes de la métropole lors de sa séance en date du 15 décembre 2017, en sachant naturellement que c'est la commission locale avec un E d'évaluation, avec un A. Et c'est Christophe Lambert qui va nous en parler. Alors, ce n'est pas des communes de la métropole, c'est des communes A de la métropole. Et c'est on en est un C. Oui, ils transfèrent des charges, tout à fait. Des communes ah, oui. A. C'est un autre faire avec une précision orthographique et grammaticale. Dans le cadre de la création de la métropole, il y avait, donc la métropole, lorsqu'elle s'est constituée, elle a repris les prérogatives du conseil général et également elle a repris des prérogatives sur les voiries. Donc la liste des cinq actions que la métropole a récupérées sont la suivante. Police des immeubles menaçant en ruine, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un immeuble qui est déclaré insalubre ou bien risquant de s'écrouler. Il y a obligation pour les collectivités de reloger les personnes qui sont dedans et en fin de compte, c'est une obligation de la commune mais qui délègue cette action à la métropole. Donc il y a des transferts de charges qui se font entre la commune vers la métropole et pour équilibrer financièrement cette action, la commune a un certain montant à payer. Il y a la gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis. Alors nous, on n'est pas concernés puisque d'emplacement de taxi sur la commune. La défense extérieure contre l'incendie, ce sont les bornes rouges qui permettent de vous défendre en cas de problème contre l'incendie, comme son nom l'indique. Et il y a la création, l'aménagement, l'entretien, la gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbain. On n'est pas concerné par ça. Et enfin, il y a la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz, et on n'est pas non plus concerné par ce point sur la commune. Donc en gros, on est concerné par deux points, police des immeubles menaçant ruine, et la contribution de la commune est calculée en fonction de sa population. C'est-à-dire qu'on prend l'intégralité de la population de la métropole de Lyon et on fait un prorata en fonction des populations. Et donc la commune doit s'acquitter d'un montant annuel de 1672 euros pour l'année à venir. Et pour la partie des défenses extérieures contre l'incendie, la commune devra s'acquitter d'un montant de 806 euros par an pour contribuer à la prise en charge de ces éléments par la métropole. Donc il est proposé donc, de voter une contribution de 2478 euros par an. Vous avez des questions? Enfin, il est surtout proposé d'approuver un rapport. Oui, mais dedans, il y a... Ça, mais, hein. Sachant que ça a déjà été voté. Ouais. Pas d'approuver un rapport. On avait une question par rapport au dernier tableau. Attribution des compensations 2017. Page 26 dans le rapport. Quelle page? 26. 26, pardon. Oui. Alors, on a une Saint-Germain-Mondor. Oui. Il est noté attribution de compensation à recevoir, à verser à la commune, à recevoir de la commune. Oui. Pour Saint-Germain, il est noté 109 621 euros. Oui, bien. Oui. Et après, il y a un jeu d'écriture et on voudrait que vous nous éclaircissiez parce qu'on n'est pas sûr d'avoir bien compris. Alors, les transferts de charges, je ne suis pas convaincu de les avoir bien compris non plus. Pour être tout à fait honnête. Le principe, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été précédemment délégués par les communes à ce qui était avant la communauté urbaine de Lyon. Les voiries, l'assainissement, les tréfonds, les machins, enfin, les équivaux. Et donc, il y a une partie qui est versée et c'est reversé après aux communes après un certain nombre d'années. Donc, c'est des jeux d'écriture apparemment entre la métropole et la commune. Et concrètement, quand on met cette ligne, où on doit 5 621 euros, après on nous les enlève, les enlève une deuxième fois, et au final, ça devient plus 195 euros. C'est ça. Ouais. Mais il va y avoir les mêmes jeux d'écriture qui vont arriver l'année prochaine, parce qu'en fin de compte, si vous avez lu l'intégralité du rapport de la CLEC, ce dont je ne doute absolument pas, vous avez dû dire que les montants qui sont proposés au vote cette année sont des projections de ce que vont coûter les services. D'accord. Et en fait, il va y avoir des réajustements qui vont être faits cette année, l'année prochaine, etc. Et donc, il y aura des jeux probablement d'écriture qui se feront également. Qui seront dans ces lignes-là d'ailleurs. Parce qu'au moment, ces charges se rajoutent aux charges précédentes et elles vont être noyées dans ces lignes de transfert de charges. D'autres questions? D'autres tableaux? Tu as été en train de
Bien. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le rapport adopté par la tête des communes à la métropole de Lyon lors de sa séance du 15 décembre 2017, de dire que cette présente délibération sera notifiée à M. le Président de la métropole de Lyon et de m'autoriser à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est favorable? C'est parfait, c'est l'unanimité, je vous remercie. Et comme de coutume, on interrompt la séance pour donner la parole au public nombreux ce soir et composé de 5 personnes, une à abandonner depuis. 5 femmes, tu peux dire. 5 femmes. Les femmes sont souvent plus courageuses. Mais c'est vrai, hein, mais souvent il y a davantage de femmes que d'hommes. Dans le public en tout cas. Les hommes s'occupent des enfants comme ça. Les hommes s'occupent des enfants, mais oui. Mais les meufs sont plus géniales, madame. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Est-ce que c'était bien la fête de la Saint-Germain? Ah d'accord, vous êtes pas venu, maman. Alors là, c'est parfait. Bon, et ben, moi, je vous dis, c'est très bien, c'était très bien. Il y a eu un monde fou. Là, il y a eu un monde fou, ça se voyait moins parce qu'on était éclatés, en particulier le vieux trouleur nous a piqué un monde incroyable. Mais Louridine, qui assurait le transfert des gens avec la camionnette du haut en bas, n'a pas chômé. Il n'a pas chômé, il n'a pas arrêté. Et il nous a dit, mais c'était la queue pour aller faire du canoë, de la voile sur la Saône, ensuite les gens remontaient, ils dansaient un coup. Et... Très très bien. Donc merci de vos remerciements. Très, très Est-ce que vous avez d'autres questions passionnantes? Passez les éléments. Ah. Je ne sais pas si je vais être passionnante, mais. Allons-y, n'hésitez pas. Moi, je voudrais intervenir en tant que parent d'élève et je voudrais revenir. Apparemment, c'est une question qui revient très très souvent par rapport aux tarifs qui sont réévalués, les tarifs de la cantine. Effectivement, il y a une. Par rapport à la fourchette qui est proposée entre la dégressivité pour les familles qui ont des ressources assez basses et puis des ressources plus élevées. Voilà, c'est vrai qu'on est plusieurs parents à se questionner un petit peu là-dessus pour voir comment les familles les plus défavorisées peuvent être un peu plus élevées par rapport à cette grille tarifaire. Et puis, moi je fais partie donc, du groupe de la FCPE, des parents d'élèves de la FCPE, et on avait notamment questionné justement, enfin on voulait en savoir un peu plus sur les tarifs pratiqués par les communes alentours et comment est-ce qu'on pourrait avoir une documentation justement plus précise pour pouvoir se baser et mieux vous questionner aussi peut-être par rapport à ce qui se fait dans les alentours. Bon, pour l'étude sur les autres. Moi, je peux revenir. Effectivement, il y a des choses qui ont été abordées, mais c'était un peu. Non, je vais revenir dessus. Mais enfin, de toute façon, pour l'étude sur les autres communes, monsieur Moulin, vous allez regarder les tarifs. Bon, alors, c'est pas compliqué. Enfin, pour les regarder, c'est Valérie qui a passé des coups de fil aux adjoints qu'elle pouvait connaître et qui l'ont rappelé, qui leur ont donné les tarifs, mais c'est pas cela, c'est du moment, etc. D'accord. Elle est allée sur des sites internet qui sont publics, hein, vous pouvez y aller. Pour aller observer, etc. Un document, du coup, pour nous aider un peu, parce que on va refaire tout. Oui, ça veut dire que c'est nous qui devons tout le refaire. Et à chaque fois, en fait, on refait. Ah non, mais est-ce qu'il existe ce document? Est-ce qu'on peut l'avoir? On l'avait fait l'année dernière. On l'avait fait l'année dernière. Mais... Ils ont augmenté la. Oui, mais ça permet quand même de se faire un peu. Le truc, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le tarif, enfin, le truc ne fait pas l'objet d'un rapport. Il fait l'objet de feuilles écrites, machin, à la main, des discussions entre nous, on a vu que c'était bon, on a fait tout ça à la poubelle, etc., pour vérifier qu'on est toujours dans l'écart, donc on est sur notre coup, évidemment. Mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'étude. Donc votre demande nécessiterait à ce qu'on refasse un tableau complet, etc. etc. Je ne vais pas vous dire qu'on va le faire, parce que franchement, on n'a pas le temps. Par contre, sur la question, je le répète, sur les PS scolaires, on est quasiment imbattable. Sur la question du repas à midi, on est battable. Effectivement, on n'est pas les moins chers. On n'est pas les plus chers non plus, mais on n'est pas les moins chers. La vraie question, c'est celle du tarif global, parce que les gens qui mettent à la cantine, en général, ils mettent souvent aussi au périscolaire, scolaire, soit le matin, soit le soir. C'est souvent les mêmes. On voit rarement des enfants qui vont juste à la cantine à midi, puis qui à 4h15 sortent de l'école. La plupart vont au périscolaire. Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, plus, ça dépend. Je trouve que la vraie question, c'est qu'on va regarder pour les QF les plus faibles, ce qu'il est possible de faire. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse, je répète, au niveau du centre communal d'action sociale davantage. Ça serait une bonne
fait au niveau de la musique. Donc effectivement, pourquoi ne pas y réfléchir au niveau du centre communal d'action sociale. C'est des choses dont on n'a jamais véritablement discuté, mais effectivement, la question pourrait, pourquoi pas, se poser. Mais que la commune, en tant que telle, alors je sais bien que pour vous, c'est CCAS, commune, c'est deux choses qui sont en fait différentes. Que la commune pratique des tarifs bas absolument partout, alors que, je le répète, de budget en budget, notre situation, même si on la redresse, on part de très loin, et on a des très gros investissements à faire dans les immobiliers, ce ne serait pas sérieux de vous dire, en fait, on des doigts, mais bien entendu, faisons les tarifs les plus bas partout. Donc on va voir ce qu'on peut faire au niveau du centre communal d'action sociale. Après, si vous souhaitez, j'ai fait un deux exemples de tarifs. Ce qui nous donnera l'occasion de réunir le grave. Parce que j'ai la commune de Chastel qui fait 4,35 sur tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de QF. Et la commune de Tinsieux est à 3,90 pour tout le monde, sauf QF en dessous de 500 euros. On va être à un tarif effectivement plus bas. Mais sinon, il n'y a pas un. Ils ne jouent pas sur le QF. Eux, c'est. Et ils ne jouent pas sur la dégressivité. Oui, c'est ça. Ils ne jouent pas sur la dégressivité. Neuville, il n'y a pas de progressivité. Neuville, je me souviens du maximum. Le tarif maximum, c'est 5 euros, je ne me souviens plus du numéro. 3,30. Merci. Au collège. Non, la commune de Neuville. À la commune, elle est à l'école. Et pour. 3,30, alors que chez nous, c'est 3,31. Et pour information, parce qu'il y a un exemple toujours sur Chasselet, par exemple, le mercredi, vous avez 4,35, mais par contre, vous payez aussi, si vous restez de midi, enfin de 11h30 jusqu'à 13h30, vous payez 4 tranches de périscolaire. Donc 4 fois 80 centimes ou 50 centimes. Donc c'est bien plus cher qu'ici. Donc, effectivement, de vivre. Mais j'entends bien. Est-ce que c'est les mêmes engagements auprès des mêmes prestataires? Oui, alors, Chasselet, c'est RPC, Quincieux, c'est. Non, ils ont une cantine, enfin, ils font les repas eux-mêmes. Ils ont une personne qui fait la. Donc, c'est différent. Et quel est le prix d'achat d'un repas fait dans le marché? RPC. Oui, à RPC. Je crois que c'est 3,20, quelque chose comme ça, de mémoire. Non, c'est moins que ça. C'est moins que ça. Il me semble que c'est 2,85, mais j'ai pas de. Il y a quelque chose qui fera quand même pour perdre d'ailleurs. 2,85 hors taxe. Donc on arrive à 3 et des poussières. Bon, on va regarder. Mais c'est ce que j'avais déjà dit, de raison, Jean-Philippe Maguet, juste avant, effectivement. Je vous confirme. C'est parce que c'est un sujet important. J'ai bien compris. Donc on va le regarder sérieusement. D'autres questions? Martine, un petit compliment? Non, c'est tout bon. Ça repose. Parfait. Alors, on va reprendre notre séance, si vous voulez bien. Je ne sais plus où j'en suis. C'est à la fin. Il reste un point à l'ordre du jour. Et c'est Christophe. Mais non, j'en ai deux. Et c'est Christophe qui va s'en charger. Et puis je la concerne le plan local d'urbanisme. D'habitat, on t'écoute. Bien. Nous avons voté le 11 décembre dernier l'approbation du projet du plan local d'urbanisme. Et donc, on a une enquête publique. On est la dernière présidente du commissaire enquêteur dans la commune vendredi dernier. C'est ça. Et l'enquête publique dure jusqu'au 7 juin. Donc, si vous avez des remarques à faire, vous pouvez toujours les faire en ligne. Sur le registre, mais il n'y aura plus le commissaire enquêteur qui sera présent sur la commune pour vous écouter. Il s'avère qu'entre le moment où on a voté au 11 décembre et puis aujourd'hui, il nous est arrivé une demande d'urbaniste sur la commune qui concernait l'achat d'un appartement sur la maison Bissuel qui est anciennement Emmaüs sur les bords de Saône, d'une personne qui souhaitait acheter un appartement pour y localiser, y domicilier sa société. Et il s'avère que dans le cadre de l'urbanisme, ce bâtiment est dans une zone dite naturelle. Et quand on est dans une zone naturelle, on ne peut pas faire du changement de destination comme on le souhaite. C'est-à-dire que si on a une zone qui est d'habitat, ça reste de l'habitat. Et si on veut le transformer en locaux de société, on est obligé de faire une demande de changement de destination. Et il s'avère que pour faire ce changement de destination, il faut qu'au PLUH, le bâtiment soit localisé comme étant potentiellement une zone, dans une zone naturelle, une zone agricole, possiblement pouvant avoir un changement de destination. Il s'avère que sur la commune, ce n'est pas le cas, on n'a pas ça, ce qui fait que la personne n'a pas pu acheter cet appartement pour y domicilier sa société, puisque
puisque comme il n'y avait pas cette pastille qui était mise, il ne pouvait pas interroger un autre organisme de l'État qui s'appelle le CDPENAF, puisque l'on vit dans des sigles. Et donc l'idée de la délibération qui va vous être proposée ce soir est de cibler la zone de Bissuel, puisque si ça s'est passé une fois, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se passer une autre fois, de manière à permettre à des personnes d'aller interroger la CDPENAF, ce qui ne veut pas dire que la CDPENAF donnera un avis positif, mais ça permettra au moins aux gens d'aller interroger la CDPENAF, et le CDPENAF donnera un avis positif ou négatif, mais en tout cas au PLUH, ils pourront le faire. Donc on a fait le tour des différents points de la commune qui pouvaient être concernés par cette délibération. Et en fait, on a identifié que la villa Bissuel qui pouvait être dans ce cadre. Voilà. Donc le projet de délibération est le suivant. C'est le conseil municipal en date du 11 décembre 2017, en sa qualité de commune membre de la métropole, a émis un avis sur le projet du plan local mais urbanistique et de l'habitat. Au regard des évolutions du contexte urbain depuis, il s'avère nécessaire de proposer à la métropole un ajustement du PLUH. Il est précisé que l'enquête publique du PLUH est débutée le 18 avril et s'achèvera le 7 juin 2018. Vu les délibérations du Conseil de la métropole de Lyon en date du 11 septembre 2017 et du 16 mars 2018, arrêtant le projet du PLUH révisé, vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye en date du 11 décembre 2017, portant avis de la commune sur le projet du plan local d'urbanisme et de l'habitat révisé, vu l'enquête publique se déroulant le 18 avril au 7 juin 2018, considérant le point d'amélioration qui pourrait être apporté au projet du PLUH qui consiste à permettre l'implantation d'activités économiques, et on a bien stipulé sur la propriété Bissuel, il sera proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, deux points. Monsieur le maire, si je vais bien prendre la suite. On va faire ça. Voilà. De demander l'inscription donc, d'un outil graphique de changement de destination des bâtiments de la propriété Bissuel, un chemin de la Mandillonne par cette cadastre à la E102. Et de mandater monsieur le maire pour remettre au nom de la commune cette délibération à madame la présidente de la commission d'enquête publique. Qui est ? Est-ce que vous avez des questions ? Exact. Vous avez des questions ? C'était quoi comme projet qui était. C'est quelqu'un qui est propriétaire d'un des immeubles là-bas, qui a sa société de domicilier dedans, et qui souhaitait acheter un appartement qui se libérait dans la copropriété, de sorte à pouvoir domicilier sa société qui grandissait dans cet appartement-là, et ce qui lui permettait d'éviter d'avoir des frais d'avocat pour des changements légaux, de changement de lieu de domicile de sa société, etc., et qui lui permettait d'avoir une proximité de son travail. Donc c'est un projet qui ne peut pas se réaliser, en tout cas pas dans son cadre de société aujourd'hui, à cause de ça. Et c'est quelque chose qu'on a découvert absolument en traitant le dossier. On a été probablement, lui a été beaucoup plus désolé que nous, mais... C'est juste parce que la propriété est inscrite dans un cadre naturel, c'est ça ? Voilà, c'est tout bâtiment, c'est toute habitation inscrite dans un site naturel ou agricole. En fait, la raison pour laquelle la loi a mis ça en place, c'est pour éviter d'avoir par exemple des fermes qui soient transformées en habitations ou des habitations. Et c'est pour également éviter d'impacter des zones naturelles ou des zones agricoles en cas de changement de destination. Ce qui est sur le principe une bonne idée. La seule chose, c'est que effectivement, si ce n'est pas prévu à l'avance, ça bloque complètement des personnes qui pourraient avoir des projets de développement. Et donc, autant essayer d'accompagner le développement. Voilà. Donc, qui est favorable ? C'est tout ? Vous avez d'autres questions ? Non ? Qui est favorable à cette délibération ? Unanimité. Je vous remercie. Donc, je clôt le conseil, mais je voulais juste compléter la réponse que je vous ai apportée tout à l'heure, juste pour que vous compreniez un peu les hésitations qu'on peut avoir et le fait qu'on y va mollo-mollo. En fait, sur l'école, ces dernières années, on a beaucoup investi dans plein de domaines. J'en prends quelques-uns. La piscine pour les CP, mais alors voilà, probablement à partir de l'année prochaine pour les CE1 également. Donc pas encore acté, mais c'est en cours. La voile pour les CM1 et les CM2. À chaque fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est gratuit pour les enfants, c'est gratuit pour les familles, mais vous imaginez bien que c'est payant pour la commune. L'équipement de toutes les classes élémentaires en tableau numérique interactif, l'aide à l'apprentissage, vous ne l'avez pas eu l'année dernière, mais c'est parce que les profs n'ont pas voulu, mais avant c'était gratuit pour les gamins, la politique adolescente qu'on met en place, les moyens d'actifs jeunes qu'on a augmenté, les ateliers sur le harcèlement,
sur lequel il y a 48 gamins qui ont été formés ou qui sont en cours de formation dans ces différents ateliers. Tout cela a un coût, alors que c'est gratuit pour les habitants. Voilà pourquoi on a mis beaucoup vraiment d'argent sur la fibre optique, sur la jeunesse, la fibre optique, etc., pour passer des meilleurs. Voilà pourquoi on est toujours un peu hésitant et qu'on y va vraiment, vraiment progressivement. Pour pas que vous ayez le sentiment qu'on a des réticences et tout, non, c'est pas le sujet. Mais on y va doucement parce que voilà, faut pas faire n'importe quoi. Bah, oui, pour conclure, là, moi j'avais quand même le sentiment que à recette constante hein, pour la commune, les choses pouvaient être lissées différemment. C'est-à-dire ? Eh ben, c'est-à-dire, en gros, abaisser le minimum et rehausser le maximum pour que tout se compense et que mais oui, mais ça c'est facile. C'est facile, Jean-Philippe. Évidemment, oui, bien sûr, je pourrais faire ça. On peut faire plus de cigarettes. On pourrait faire ça, mais moins par ceux qui en ont. Moi, ce type de politique-là, j'y suis, mais pas du tout favorable. Je pense que ça ne fait que mettre en opposition des gens qui avant on s'entendait très bien et qui au fur et à mesure ont le sentiment d'être toujours floués. Et donc toute la politique qu'on met en place depuis toujours, depuis les 4 ans qu'on est là, vise justement à ce que ce ne soit plus le cas. Alors l'objectif, c'est pas que ceux qui ont le moins de moyens payent plus d'un coup, c'est pas ce qu'on a fait, je crois, depuis les 4 ans qu'on est là, mais c'est d'éviter que ceux qui ont davantage de moyens payent plus que ce qu'ils payent déjà, qui est déjà supérieur aux autres. On ne veut pas avoir des grands écarts entre les uns et les autres, parce qu'on pense que voilà, c'est comme ça qu'on commence à avoir des regards les uns sur les autres, des débats, des discussions sans fin sur ouais, c'est toujours les mêmes qui payent, etc. On veut éviter ça. Ça dépend de la manière de compter. Parce que je veux dire, si on compte en termes d'euros, effectivement, ceux qui gagnent plus payent plus. Mais si on ramène le prix d'un repas au salaire annuel d'un foyer, et ben c'est ceux qui gagnent le moins qui payent le plus, quand même. Ouais. Non, ce que vous êtes juste en train de dire, c'est que sur les repas, la dégressivité est moins importante que sur le reste. C'est ça non, que vous dites. Non, que. Quand même, en 2014, on a repris exactement les tarifs minimum et maximum qui existaient auparavant. On est parti sur la même base. C'est vrai. La seule chose qu'on ait ajoutée, c'est la dégressivité entre le tarif minimum et le tarif maximum, puisqu'en fait, auparavant, il y avait des tranches. Il y avait trois seuils Non, mais c'est très bien. Donc, c'est très bien. On a appliqué une dégressivité. Ouais. Ensuite, l'année dernière, on a réduit un petit peu les tarifs de manière à étendre la dégressivité, puisqu'en fait, auparavant, la dégressivité était uniquement, il y avait un tarif pour les QF inférieur à 650, je crois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le tarif maximum était appliqué à partir du QF 650. Actuellement, il y a une dégressivité jusqu'au QF à peu près 1100, je crois. Non, mais la démarche globale est très bien, je ne remets pas ça en cause. Je dis juste que si vous vouliez continuer de se faire cette politique d'établissement de la dégressivité qui me paraît très bien, je pense qu'il y a encore de. Oui, il y a encore des marges de progrès. J'entends bien, il y a des marges de progrès. Mais je n'utiliserai pas les marges de progrès en essayant d'augmenter encore pour ceux qui payent le plus aujourd'hui, dans la mesure où, depuis 4 ans, ce qu'on essaie de faire, c'est au contraire d'ouvrir ce qu'on appelle l'action sociale, qui pour moi est un très mauvais nom, mais à tout le monde. Et c'est pour cela que si vous partez au ski, que vous soyez plutôt aisé, plutôt classe moyenne ou plutôt bon, vous avez des tarifs qui de toute façon sont canons, parce qu'on essaie de faire que tout le monde ait des tarifs canons. C'est pour ça que musique et culture, même si vous êtes très aisé, vous avez quand même droit à une réduction de la commune qui est moins importante que pour les autres, mais quand même. Vous avez droit à cette réduction-là. Et pour moi, elle participe véritablement. Enfin, c'est politique, je vous dis, mais ça participe du fait qu'on s'entend bien les uns avec les autres. Ça participe du fait qu'on arrête de me parler du haut du village, contre le bas du village, dont on me parlait pendant, enfin, il y a 4 ans et même avant, et que je trouve que ça se tasse. Ça participe du fait que lorsqu'on fait les fêtes, on essaie de centraliser les choses et qu'elles s'adressent vraiment à tout le monde. C'est vraiment une politique d'ensemble. Et la dégressivité, ça fait partie de ce truc-là. Pour ça, quand vous me dites, au CEO, pour payer là, je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse. Je pense foncièrement que c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse, mais j'admets que sur cette question de la restauration, on est moins bon, je crois, que sur le reste. Donc il faut qu'on l'étudie. Mais plutôt, à mon sens, par la biais du CCS, par une aide à tous les coups plus faible. Donc c'est comme ça qu'on va voir les choses. Voilà, c'est une conviction politique. Et il faut savoir aussi que s'il y a dégressivité, on applique une dégressivité sur la cantine, on n'a aucune obligation de le faire. Il y a énormément de communes, on n'a tout pas du tout. Dans la mesure où on a l'obligation d'appliquer une dégressivité sur les tarifs de périscolaire,
subvention pour, pour la cantine de la part de la CAF, ni pour le personnel. C'est exact. Repas. Donc c'est vraiment c'est un effort communal uniquement. Oui, c'est d'ailleurs ça qui avait fait qu'on n'avait pas regardé le truc au début. Hein. Parce qu'effectivement, c'est un effort purement communal. La CAF ne nous donnera à rien, strictement rien. Vous avez le droit d'être gardé, mais vous n'avez pas le droit de manger. Je résume un peu vite, mais en gros, c'est ça. Quoi. Alors qu'en toute logique, ce ne serait pas complètement idiot d'avoir une aide de la CAF, me semble-t-il, pour le temps de cantine. Mais bon. Espérons qu'un député nous entendra. D'autres questions, d'autres remarques hein? Pas spécialement, je vous souhaite une excellente soirée. Pardon? C'est exact et c'est marqué là. Le 9 juillet. Le 9 juillet prochain. Nous avons grand plaisir à vous voir. Et avant, il y aura.